I was just 17 then. Some of the times it was in the living room that he raped me, or in the bedroom. I didn't know if this was normal in my culture or in here. And he had like twisted my hand really strongly. That still, one of the bones, it has like stand out from my other wrist. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous aurez besoin d'avoir de l'énergie positive pour compenser toute l'énergie négative que je vais vous apporter aujourd'hui. Je suis désolée, mais on doit parler de cette histoire. Honnêtement, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle relève du cauchemar. Vous le savez, je parle de tout genre de crimes sur cette chaîne YouTube, mais cette affaire, elle est réellement révoltante, elle va vous frustrer, elle va vous énerver, parce que personne, je dis bien, personne n'a écouté la jeune femme dont je vais vous parler aujourd'hui. On va parler d'un phénomène choquant dans une communauté qui relaie les femmes au second plan et qui en fait des propriétés. Mais on va surtout parler d'une tragédie familiale. Notre histoire commence à Londres dans les années 2000. Mais minute, pour que vous compreniez réellement cette histoire et le contexte socioculturel, on va d'abord devoir retourner au Kurdistan irakien au milieu des années 70. C'est à ce moment-là que les parents de Banaz Mahmoud, Beya et Babakir, se marient. C'est un mariage arrangé entre deux cousins. Pas super fun. La mère de Beya et le père de Babakir sont frères et sœurs. Les adolescents ne se sont pas choisis, leur famille a décidé de leur sort autour d'une grande table sans leur demander leur avis. Et quand j'y pense, épouser son propre cousin, ça doit vraiment être horrible. En tout cas, ce n'est pas dans mes mœurs. Contrairement à d'autres, ils vivent assez bien ce mariage. Hein. Selon les traditions de leur communauté, Babakir travaille, il ramène l'argent à la maison. D'ailleurs, il est professeur de maths dans une université. Et sa femme, Beya, elle reste à la maison pour s'occuper de leurs nombreux enfants. Parmi eux, deux garçons et quatre filles. Les quatre filles de la famille ont toutes subi des mutilations génitales que vous connaissez peut-être sous le nom d'excision. L'excision, c'est quoi? C'est d'abord une forme de contrôle du corps de la femme et de son plaisir, clairement. C'est une mutilation du clitoris et parfois des petites lèvres. Et en plus, cette ablation du clitoris et des organes génitaux, elle est faite à vif la plupart du temps, sans anesthésie. Et quand les enfants sont encore assez petits. Il existe pas mal de documentaires, de livres, de films sur cette pratique et je mettrai quelques ressources dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Dans la famille de Banaz, les femmes ne sont pas vraiment bien vues. Elles sont considérées comme des nuisances, et surtout elles sont considérées comme des propriétés, elles appartiennent à leur famille. Bekal, une des sœurs aînées de Banaz, partage plusieurs anecdotes à ce sujet dans son livre. Elle explique qu'à la mort de Berry, sa sœur jumelle, leur grand-mère maternelle s'est exclamée « C'est bien, je suis contente qu'elle soit morte, ça fait une ch**e de moins dans la maison ». Je sais pas si je dois biper le mot ou le garder pour que vous compreniez à quel point c'est violent. Dans un autre passage du livre, elle évoque la fois où elle a touché la main d'un ami de la famille et que son père l'a tabassée pour s'être comportée comme une p***. À ce moment-là, elle n'avait que 6 ans. Et clairement, toucher la main d'un homme, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas quelque chose de si extraordinaire que ça. Mais la famille est tellement stricte que ce genre de choses était interdite, bien sûr, seulement pour les filles. Banaz naît le 16 décembre 1985, en Irak du Nord donc. Mais le pays est de plus en plus instable. Quand elle a 10 ans, sa famille demande l'asile au Royaume-Uni pour échapper au règne de terreur de Saddam Hussein. Et donc un jour, en pleine nuit, ils fuient leur petite maison à Dodan. C'est le début d'un long voyage qui les mène jusqu'au Royaume-Uni. Les Mahmoud s'installent à Mitcham, un quartier du sud de Londres. Dans ce secteur vivent beaucoup de familles de leur communauté. Mais n'oublions pas que nous sommes quand même en Occident, là où tout est possible, dans une culture qui est vraiment différente de la leur. Forcément, les enfants sont dans un entre-deux. À l'école, ils se fondent dans la masse, dans la culture occidentale, et à la maison, ils doivent faire un peu semblant, quoi, s'adapter à leur famille. Banaz est très belle, elle a de longs cils, elle a de belles pommettes hautes, elle est vraiment gentille et douce, au point où tout le monde la surnomme Naska, ce qui veut dire beau et délicat en kurde. Elle est très proche de toutes ses sœurs, mais surtout de Paisy, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. J'étais assez choquée de voir les images de Paisy aujourd'hui, elle ressemble vraiment à sa sœur. Ensemble, elles prennent le thé en discutant de tout et de rien, ou bien elles passent l'aspirateur en écoutant de la musique qu'elles n'ont pas le droit d'écouter. Et dit comme ça, on pourrait croire qu'elles vivent une adolescence assez ordinaire. Mais ces rares moments de paix cachent une réalité bien plus dure.
Dans la famille de Banaz, on croit que l'honneur d'une femme détermine l'honneur de la famille. Les filles doivent se plier à des règles très strictes. Elles n'ont pas le droit d'avoir les ongles longs, de porter du parfum, ou même de s'épiler les sourcils. Mais les sœurs Marmottes sont quand même très coquettes, alors elles prennent soin d'elles comme elles le peuvent, au risque de recevoir pas mal de claques. Cette communauté dans laquelle elles ont grandi est vraiment très soudée dans le bonheur comme dans l'horreur. Donc les filles sont constamment surveillées par les amis de la famille, les voisins, elles se sentent toujours épiées, même quand elles ne sont pas chez elles, elles ne sont jamais libres. Et pour éviter qu'elles ne déshonorent leur famille, les filles sont mariées au plus vite. D'abord Bekal, puis Paisy, toujours avec des hommes beaucoup plus âgés, et ces mariages tournent toujours au drame, particulièrement celui de Bekal. Forcément, passer sa vie avec un mari maltraitant, qui nous viole et qui ne nous plaît absolument pas, ce n'est pas facile. Et Bekal décide de fuir son foyer et d'aller se réfugier dans un foyer pour femmes. Quand sa famille l'apprend, c'est le scandale. Son père lui dit « Mais si tu ne rentres pas à la maison, je vais tuer ta mère, je vais tuer tes sœurs et je vais me suicider. Tu dois absolument rentrer à la maison. » Mais au lieu de rentrer, Bekal décide de vivre cachée. Elle déménage constamment et elle porte le voile intégral, surtout pour éviter d'être reconnue. En 2002, la famille de Bekal veut se venger d'elle. Son frère, qui est son petit frère, lui demande de la rencontrer dans un endroit assez reculé de la ville. Bekal accepte. C'est peut-être l'occasion de renouer avec un membre de sa famille, elle qui se sent si seule finalement. Alors elle se rend au lieu du rendez-vous, à un endroit assez reculé de la ville, et là, il la frappe sur la tête avec une haltère. Un coup sec, un coup qui l'étourdit presque. Et quand elle se relève, elle lui dit « Mais regarde ce que tu m'as fait, t'as essayé de me tuer ?» Alors le garçon se met à pleurer et il lui dit « Mais tu sais très bien que c'est papa qui voulait que je fasse ça, il m'a payé pour que je te tue. » Bekal ne dit rien, elle fuit, elle ne porte pas plainte, mais à partir de ce moment-là, elle vit une vie encore plus recluse. Toute la communauté kurde de Mitcham voit cela comme un échec. Ils considèrent que Babakir est un homme faible car il n'a pas réussi à contrôler Bekal. Il est même mis de côté par les autres membres de la communauté et ça, il le vit très très mal. En 2003, alors qu'elle a seulement 17 ans, c'est au tour de Banaz de se marier. C'est bien sûr un mariage arrangé avec un certain Binar. Cet homme vient tout juste d'arriver d'Irak, c'est un homme qui a 10 ans de plus qu'elle, il est analphabète, il est vieux jeu, c'est vraiment pas son style, elle n'est pas du tout attirée par lui, mais elle n'ose pas du tout dire non car d'abord c'est la tradition, hein. Ses sœurs ont été mariées avant elle, et puis elle sait ce qu'il se passera si elle s'oppose à la décision de sa famille. Ce mariage arrangé l'emmène jusqu'à Coventry, près de Birmingham, soit à près de 200 km de sa famille. Elle arrive dans cet appartement vide avec un inconnu, et elle sait que sa vie va totalement changer. Dès les premières heures, le malaise est palpable, et sa vie va se transformer en cauchemar. Ce mariage est un désastre pour Banaz. Non seulement elle n'aime pas cet homme, mais en plus, il n'arrête pas de la tourmenter. Tout comme son père, il a une mentalité très traditionnelle. Banaz doit accepter toutes ses demandes sans sourciller, il lui impose souvent des relations sexuelles et il n'accepte pas qu'elle désobéisse à quoi que ce soit. Il passe son temps à la frapper à la tête au point où elle perd parfois la mémoire. Mais aussi, il va menacer de la tuer, lui faire croire que sa famille ne l'aime pas. Mais Banaz est intelligente, elle sait qu'elle est en danger et elle sait qu'elle doit accumuler les preuves. Alors elle prend plein de photos de ses marques de coups, elle tient également un journal, elle se tient prête au cas où elle devrait aller voir la police. Un jour, Bekal, sa sœur aînée qui a fui la maison quelques années plus tôt, décide de lui rendre visite. Elles savent toutes les deux que c'est très dangereux, mais elles ont aussi très envie de se revoir. Ce jour-là, Bekal, qui est parfois surnommée Becky, est vraiment choquée de ce qu'elle voit. Sa sœur a un visage amaigri, aux cernes creusées, et quand elle arrive, Banaz est penchée au-dessus de la baignoire en train de faire la lessive à la main. Alors elle lui dit « Mais Banaz, pourquoi tu n'utilises pas la machine à laver ?» Banaz lui dit « Parce que... bah, mon mari préfère que je lave ses vêtements à la main. » Sur son visage, il y a plein de traces de coups, de marques. Son pantalon noir essaie de tenir tant bien que mal sur ses hanches qui sont vraiment amaigries. Elle va clairement très très mal. Banaz accumule les preuves et elle commence à se rendre à la police pour leur raconter son histoire. Elle y va une fois, une deuxième fois, une troisième fois, mais toujours en disant à la police de ne pas intervenir par peur de jeter le déshonneur sur sa famille. It was like I was his shoe and he would wear it just whenever he felt like it. So he was getting worse and worse. Some of the times that he had beat me up or he was abusive towards me, I had to write it down in a diary. Mm-hmm. And I have taken some pictures of my body, like
when he's being robbed, the bruises and stuff like that, and the clothes that he's ripped off me, but he had got hold of them and he knew that I wrote it down in a diary, so he destroyed them all. And because he had kicked me so much, like, in the head, my lips were bleeding, my ears were bleeding. I didn't try to defend myself or anything. I just cried and that was it. Plusieurs fois aussi, la jeune femme fuit son foyer pour retourner au domicile familial. Ses parents sont bien conscients des violences qu'elle subit, mais à chaque fois, ils lui demandent de retourner chez son mari pour ne pas leur faire honte. Ils ne veulent absolument pas subir l'échec qu'ils ont connu avec Bekal. Clairement, son bien-être passe au second plan. Les premières fois, bien sûr, il confronte quand même son mari et il leur répond simplement « Bah, votre fille, je la frapperais pas si elle n'était pas désobéissante. » À chaque fois que Banaz retourne chez son mari, les coups reprennent, la violence physique, la violence sexuelle, mais elle tient. Elle tient parce qu'elle sait que si elle retourne chez ses parents encore une fois, ils lui diront la même chose. « Tiens-toi tranquille, obéis à ton mari, ne fais pas de vagues, ne nous fais pas honte. » Mais un jour, c'est la goutte d'eau. Et ça ne vient pas d'une gifle ou d'une dispute. Tout simplement, Binar l'observe et il lui dit « Regarde comment tu es moche !» Et là, c'en est trop pour Banaz. Elle se lève et elle s'enfuit. Bien sûr, elle n'a pas vraiment d'endroit où aller, donc elle retourne au domicile de ses parents en juillet 2005. En octobre 2005, elle va même déposer une main courante. Dans cette vidéo, on voit une jeune femme qui a du mal à parler, qui semble éteinte, qui est en détresse, qui bégaye beaucoup. Elle est vraiment l'ombre d'elle-même. Après avoir quitté son mari, Banaz s'est encore plus mis dans les problèmes en rencontrant Ramat, un jeune homme irakien. Ramat, c'est vraiment une bouffée d'air frais pour elle qui a tellement souffert auprès de son mari. Cette relation est d'abord amicale, mais elle se transforme rapidement en amour. Après tout, c'est un jeune homme assez gentil, assez attentionné, un jeune homme de sa génération. Il file vraiment le parfait amour. Mais sa famille n'approuve absolument pas cette relation. C'est quand même bizarre. Pourtant, Ramat fait partie de leur communauté. Pourquoi tout simplement ne pas accepter cet amour? C'est encore une fois une question d'honneur. Puisque la famille a décidé que Banaz était destinée à Binar, si elle prend ses propres décisions en épousant Ramat, ce serait un grand manque de respect pour eux. Le couple garde cette relation privée, car ils savent très très bien que tous les membres de la communauté les surveillent. Banaz se sent très souvent suivie, elle a toujours l'impression que quelqu'un est sur ses talons, elle se retourne et elle voit des hommes un peu étranges qui la regardent, qui la surveillent, et ces hommes rapportent toutes les infos qu'ils trouvent à sa famille. Elle a si peur pour sa sécurité qu'elle dit à la police « Si quelque chose m'arrive, ce sera la faute de ma famille ». Banaz a vu son existence déterminée par un innocent baiser devant la station de métro Morden. Mauvais endroit, mauvais moment. Quelqu'un les voit et contacte Babakir pour l'informer de la situation. Quand je vous dis que même toucher la main d'un homme était mal vu pour une enfant de 6 ans, ce baiser était forcément considéré comme un crime. Le 2 décembre 2005, une réunion se tient au domicile de l'oncle de Banaz. Harry Aga Mahmoud est le petit frère de Babakir, mais il a le rôle de chef de famille. Et au cours de cette réunion, il est décidé que Banaz a jeté la honte sur la famille et sur la communauté. Donc, le couple doit être tué. La jeune femme se trouve dans la pièce d'à côté. Elle a tout entendu et elle est horrifiée. 2 jours après cette réunion familiale, Banaz se rend à la police et elle explique tout. Elle dit avoir entendu les membres de sa famille discuter de son assassinat, elle est paniquée, mais la police ne fait rien. Le 12 décembre, elle remet même une lettre au poste de police de Wimbledon dans laquelle elle désigne les personnes qui, selon elle, sont prêtes à la tuer. Encore une fois, ils ne font rien. Qu'est-ce qu'un crime d'honneur? Un crime d'honneur est le meurtre d'un individu, qu'il s'agisse d'un étranger ou d'un membre de la famille, par une personne cherchant à protéger ce qu'elle considère comme la dignité et l'honneur de sa famille. Les crimes d'honneur sont souvent liés à la religion, à la caste et à d'autres formes de stratification sociale. Le plus souvent, il s'agit du meurtre d'une femme ou d'une fille par des membres masculins de la famille, les auteurs estimant que la victime a jeté le déshonneur ou la honte sur le nom, la réputation ou le prestige de la famille. Les crimes d'honneur sont répandus dans des communautés de Jordanie ou d'Inde, et cette pratique est vraiment, vraiment barbare.
Quelques semaines après qu'elle ait déposé la fameuse lettre à la police, Mahmoud, le père de Banaz, lui demande de venir à la maison. Il lui explique qu'il y aura une réunion familiale et pour l'amadouer, il lui dit qu'ils discuteront de la question de son divorce. C'est le soir du nouvel an. Banaz a 20 ans. Elle pourrait être en train de s'amuser, de boire. Au lieu de cela, elle se trouve dans une situation bien compliquée. Babakir force sa fille à boire du brandy, qui est un alcool. Elle, qui n'a même pas le droit de se peindre les ongles, est autorisée à boire du brandy. Clairement, quelque chose cloche. Et il lui dit « Banaz, regarde la télévision tranquillement, moi j'ai 2-3 choses à faire. Mais surtout, ne regarde pas dans ma direction. Quand on vous dit de ne pas faire quelque chose, qu'est-ce que vous faites ?» Banaz est anxieuse. Elle entend son père s'affairer autour d'elle, et forcément, elle jette un œil discret, et là, elle voit Babakir qui porte des gants, des baskets. Elle comprend à cet instant que son père est en train de préparer son meurtre, que dans quelques minutes, elle sera morte. L'instinct de survie est plus fort. Dès que Babakir quitte à nouveau la pièce, Banaz s'enfuit par la fenêtre et elle n'appuie pas sur la poignée pour ouvrir. Non, elle est tellement paniquée qu'elle se jette directement contre la paroi. Elle n'a même pas de chaussures à ses pieds. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle doit courir le plus vite possible. Elle court jusqu'à arriver dans le centre-ville et elle s'effondre sur le sol d'un café. Banaz est emmenée à l'hôpital. Elle a des blessures aux mains, aux pieds qui doivent être soignées et Ramat la rejoint immédiatement. Il a son téléphone avec lui et il a la présence d'esprit de commencer à la filmer. Il lui pose plein de questions, il lui demande de raconter tout ce qui s'est passé pour garder des preuves. Que ce soit le personnel de l'hôpital ou celui du café, ils sont tous attendris et émus par l'histoire de cette jeune femme. Malheureusement, ce n'est pas le cas de la policière qui l'interroge. L'agent Angela Corns ne la croit pas du tout. Elle pense que Banaz est une jeune fille manipulatrice, mélodramatique, et elle veut même l'inculper pour les dommages causés à la fenêtre de sa maison. Angela Corns est convaincue que Banaz invente toutes ses histoires car elle a trop bu et qu'elle ne veut pas rentrer chez elle et risquer de se faire engueuler. L'étau se resserre autour du couple. Ramat est lui aussi en danger. Le 22 janvier, il manque de se faire enlever par 3 hommes et il rapporte l'incident à la police. Ces 3 hommes, Banaz avait déjà donné leur nom à la police. Il s'agissait de membres de sa famille et plus précisément de ses propres cousins. Pendant cette période critique, Banaz séjourne quelque temps chez Ramat et ils vivent la peur au ventre. Si quelqu'un découvre où ils se trouvent, ils mourront tous les deux. Et personne ne trouvera jamais leur corps, ils en sont certains. Je trouve ça quand même assez dingue que ce genre de choses arrive en Occident. Sachez que, en Angleterre, un crime d'honneur a lieu toutes les 4 semaines. Ça donne environ 12 crimes d'honneur par an. Les parents de Banaz finissent par lui donner rendez-vous dans un McDo. Là, ils se montrent doux, attentionnés, ils essaient de la convaincre de rentrer à la maison et Banaz décide de revenir. C'est une décision difficile à comprendre hein, pour nous, mais pour elle, être en cavale ou être à la maison, c'est la même chose. Elle sait qu'elle finira par être tuée par sa famille. Elle est si faible psychologiquement que pour elle, c'est la seule solution viable. 23 janvier 2006, Banaz envoie un SMS à son petit ami Ramat. « Je t'aime tant !» Et c'est le dernier SMS qu'elle envoie. Le lendemain, elle a disparu. Le 25 janvier, Ramat signale sa disparition à la police. Au départ, la police ne prend pas du tout cette histoire au sérieux. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais pris au sérieux les dépositions de Banaz, sinon elle n'aurait pas disparu. Ils interrogent la famille de la jeune fille, et ses parents se font passer pour des gens très tolérants. Ils disent à la police « Oh mais vous savez, ça lui arrive de découcher assez souvent, donc ne vous inquiétez pas, elle finira par rentrer. » Mais devant l'insistance de Ramat, ils sont bien obligés de se bouger un peu les fesses. En plus, il leur donne des noms. Il a directement impliqué l'oncle de Banaz, Harry Aga Mahmoud, et ses cousins, Mohamed Salé Ali, Omar Hussein et Dana Amin. La police remarque bien que l'absence de Banaz ne semble pas beaucoup ébranler sa famille. Alors, il commence à se pencher sur la fameuse lettre écrite par la jeune femme. Et dedans, il trouve des informations assez cruciales qui pourront peut-être leur permettre de commencer leur recherche. Parmi elles, les noms des cousins de Banaz.
Forcément, la police commence à s'intéresser aux cousins de Banaz, et particulièrement à la localisation de leur téléphone. Peut-être qu'en traçant la localisation de leur téléphone, ils pourront remonter jusqu'à Banaz. C'est ainsi qu'ils remarquent que les trois hommes ont eu un comportement un peu étrange ces derniers jours. Ils ont fait plusieurs allers-retours entre le sud de Londres et Birmingham. Heureusement, l'un d'eux avait loué une voiture de location, et dans cette voiture de location, il y avait un système de tracking GPS. Les enquêteurs ont donc pu visiter chaque endroit où la voiture s'est égarée. Parmi eux, une vieille maison abandonnée de Ainsworth, un quartier de Birmingham. Une maison qui pouvait être le lieu idéal pour commettre un crime ou dissimuler des preuves. Les enquêteurs arrivent sur place, font le tour de cette maison, ils n'y trouvent rien de spécial, mais dans le jardin, la terre a été retournée à un endroit bien précis. Le 26 avril 2006, une valise est retrouvée enterrée dans le jardin de cette maison. Dans cette valise se trouve le corps de Banaz Mahmoud. Elle est recroquevillée en position fœtale, comme un enfant. Le matin du 24 janvier 2006, les parents de Banaz quittent le domicile familial pour, soi-disant, emmener leur fille cadette à l'école et faire des courses. On sait aujourd'hui qu'il s'agissait d'un prétexte, hein. C'était un moyen de laisser le champ libre aux meurtriers de Banaz. La jeune femme est à découvert. Elle n'a pas de chambre et la plupart du temps, elle dort sur le sol du salon avec une petite couverture sur les épaules. On peut imaginer l'horreur qu'elle a dû ressentir quand elle s'est vue réveillée par trois de ses cousins de qui elle se méfiait particulièrement. Elle était seule à la maison, pas de traces de sa mère, pas de traces de ses frères et sœurs, ça devait vraiment être horrible. Elle s'est retrouvée face à Mohamed Marid Hama, Mohamed Saleh Ali et Omar Hussein. Le trio va soumettre Banaz à plus de 2 heures de torture et de viol avant de l'étrangler à mort. Et l'un d'eux, qui est un de ses cousins quand même, je rappelle, de ses grands-cousins avec qui elle a grandi, l'un d'eux va se vanter de l'avoir violé analement. Le corps de Banaz est mis dans une valise et il est transporté dans une maison de Ainsworth, un quartier de Birmingham. Et là, il est enterré dans le jardin. 3 hommes sont accusés du meurtre de Banaz, notamment son propre père Babakir et son oncle Harry. Et 2 de ces hommes fuient en Irak, il s'agit de Mohamed Saleh Ali et Omar Hussein. En Irak, les 2 cousins se vantent de ce meurtre, ils en parlent dans tous les cafés où ils se rendent, ils sont vraiment fiers d'avoir assassiné et violé leur petite cousine avec qui ils ont grandi. Mais la cavale finit par se terminer. Les 2 hommes seront extradés respectivement en juin 2009 et mars 2010, et à leur retour au Royaume-Uni, ils sont condamnés à la prison à vie. Le père de Banaz, Mahmoud Babakir Mahmoud, a été condamné à une peine minimale de 20 ans de prison. Son frère Harry, le chef de famille, a été condamné à une peine minimale de 23 ans de prison. La famille n'a pas du tout prévu de cérémonie pour l'enterrement de Banaz et elle repose au cimetière de Merton et Sutton à Morden. À ce jour, elle a une pierre tombale, je crois que c'est ses sœurs ou bien des membres de la police qui ont cotisé pour lui offrir une pierre tombale, et heureusement sinon sa famille n'en aurait jamais placé une. Dans les derniers mois de sa vie, Banaz est allé à la police au moins 5 fois. Et le traitement de ce cas par la police a été hautement critiqué. Surtout, il a fait l'objet d'une enquête du GIEC. Plusieurs policiers ont été condamnés pour les manquements graves ayant indirectement causé le décès de Banaz Mahmoud. Je dirais même directement. Ramad Soleimani a témoigné dans les 2 procès pour meurtre. Et ce, malgré les menaces proférées à l'encontre des membres de sa famille en Iran. Pour sa sécurité, il a ensuite été placé sous protection policière. Il a donc été obligé de changer d'identité et de lieu de vie. Il s'est battu toute sa vie pour s'adapter à cette nouvelle vie, en vain. Le jeune homme ne s'est jamais remis du meurtre de Banaz et s'est suicidé en 2016. Je pense que vous avez compris pourquoi je devais vous parler de cette histoire, parce que le phénomène des crimes pour l'honneur, des crimes d'honneur, peu importe comment vous voulez l'appeler, est vraiment très répandu et on n'en parle pas énormément. J'ai déjà fait une vidéo sur un sujet similaire avec le meurtre des sœurs Saïd par leur propre père, encore une fois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais vous le trouverez assez facilement sur la chaîne. Et ces crimes me choquent toujours, parce qu'on réalise que ces jeunes femmes ont non seulement vécu une vie de misère où elles n'avaient aucune liberté, où leur corps était considéré comme des objets, mais en plus elles ont subi des fins horribles aux mains de leur famille, de leur propre famille. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.